Mon cher cousin, pendant votre absence, mon petit stratagème de Tisserand s'est avéré avoir un double avantage. Non seulement il m'a permis de tenir mes prétendants à l'écart, mais également d'attirer l'attention d'Athéna. Cette dernière, m'ayant regardé défaire le linceul chaque nuit, en a déduit que je n'étais pas familiarisée avec l'art du tissage. L'artisanat étant l'une de ses nombreuses spécialités, elle a décidé de me rendre une petite visite pour me donner quelques indications. Lors de son passage, elle m'a également prodigué quelques conseils concernant l'infortune de mon époux Ulysse. Elle m'a suggéré d'envoyer Télémaque, mon fils, auprès de rois grecs ayant noblement combattu aux côtés d'Ulysse à Troie. J'ai donc dépêché mon fils auprès du roi Nestor, à Pylos, et du roi Ménélas, ce dernier ayant finalement réussi à quitter l'Égypte et à regagner Sparte. Peut-être que Télémaque parviendra à obtenir des nouvelles de son père. La déesse a également confirmé mes soupçons. Poséidon est bien le responsable de l'infortune d'Ulysse. Il a des comptes à régler avec mon époux, et je crains que le dieu de la mer ne rende la vie difficile aux habitants d'Ithaque. Pour remercier Athéna de son aide, veillez à la construction d'un sanctuaire sacré en son honneur. C'est le moins que nous puissions faire. Plus vite Ulysse regagnera Ithaque, mieux cela vaudra. Jusqu'à présent, les prétendants n'ont fait aucune remarque quant au fait que je suis certainement la tisseuse la plus lente du monde. Mais leur patience commence à s'émousser. Préparez quelques trirèmes et envoyez-les à la recherche d'Ulysse afin qu'elle l'aide à se frayer un chemin jusqu'ici, avant que ces vantards ne redeviennent incontrôlables. Bien amicalement, Pénélope. Salut à toutes et à tous les amis, ici Kaiser von Kerstein, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, je retrouve sur Zeus, le maître d'Olympe, pour le 6e scénario de l'aventure L'Odyssée avec Ulysse. Donc, les conseils de la déesse, donc 3 objectifs, construire un sanctuaire en l'honneur d'Athéna, tuer un monstre, donc Poséidon, j'ai peur que ce soit le Kraken. Donc on va peut-être devoir appeler Persée pour le tuer, sachant qu'on a déjà le sanctuaire d'Hermès en place, donc ça devrait aller. Soutenir 4 trirèmes, d'accord. Donc là, je vais pas trop terrainer, je vais commencer à le préparer. Je vais le mettre ici. Je vais pas trop traîner non plus, parce que si Poséidon est avec son Kraken, on a clairement aucune chance. Hein. On va être réaliste. Je vais mettre tout de suite les deux guildes ici. On a du marbre là à porter, on va tout de suite en apporter. Ils ont regagné Sparte, si j'ai bien compris. On a le dock vers l'Egypte ou pas au fait? Non. Trinakia, qu'est-ce qui nous importe? Oh, ils vendent du marbre. Et bah, c'est parti. Là, je vais pas mettre le dock, il va se faire massacrer. Là, je pouvais en mettre un troisième, mais je pourrais pas. Dommage avec le sanctuaire. Mais là, ça va être dur. Et bah, vous savez. C'est quoi que la route, elle sera pas si longue que ça en fait. En le mettant là. Voilà. Je pense que j'aurai toutes les conditions déjà requises pour appeler Persa par le sanctuaire d'Athéna. Donc je vais tout de suite acheter le bloc de marbre. Et le bois bien sûr. Bisculture, on les a je pense. 8 et 3, 11. Je vais encore en acheter 3, comme ça j'aurai le quota. De la cité, j'ai pas vu. L'Egypte n'existe plus, ok. Donc là, je traîne pas trop, il me faudra 55 blocs de marbre. Pylos, où j'ai bâti le port vers Pylos. Ok, là en route aussi, c'est cool. On a un dock en moins qui ne sert plus, donc c'est le dock égyptien. 12 échevaux de laine, 8 corbeilles de poissons, c'est pas mal. Je vais commencer peut-être à préparer aussi l'augmentation de l'étherie. Parce qu'on va en avoir besoin. J'évite de faire de la pêche ici, comme si on a le Kraken qui est pas loin, je suppose que c'est lui. Bon évidemment c'est le Kraken, il fallait s'attendre. Voilà. On va déjà faire ça. Je sais pas
pour ça que je mets deux artisans sur l'affaire au lieu d'un. Célébrez-moi. Ah oui, c'est bon pour faire sanctuaire de Zeus. Ne vous apportera autant de satisfaction. Oh, il y aura de l'espace au sanctuaire de Zeus. Bon, c'est bien. Il ne reste plus grand chose à importer. Là, du coup, comme. Là, ouais, j'ai condamné en fait. Ah, je vais remodifier ça dès que j'ai terminé sanctuaire d'Athéna. Je mettrai le dock de Trinakia ici. Comme ça, j'aurai 4 docks là. Et tout le monde sera content. Mon palais est bien ici, ouais. Hop. Je vais arrêter l'achat de bois, j'en ai plus besoin. Alors, on perd des gens, ça c'est le chômage, fallait s'y attendre. Mais on me demande aussi des trirèmes, j'y pense. On m'en demande 4. Pourquoi je les alignerai pas là? Comme ça, ce serait déjà fait. Et je laisse le doc de Trinity en réserve. Vous voulez voir un Kraken? J'ai bien fait de pas trop traîner. Il est où le Kraken au fait? Bon, ça va. Ok. Poseidon commence à s'agacer. Oh oh, le Kraken arrive, il va nous faire bobo. Bah, il va détruire des ports, je suppose. Non, il fallait s'y attendre. Mais je vais tout de suite bâtir le temple de Persée pour qu'on se débarrasse de lui. On va le mettre là. Ça va, on a toutes les conditions. Oh, où ça? Ok. Poseidon veut vraiment nous mener la vigueur, comme il l'a dit. Lave. Ah ouais. Ah ouais, ils nous mettent la sauce là. Quatre blocs de marbre, c'est gagné. Voilà, sanctuaire d'Athéna terminé. Premier objectif d'atteint. J'ai bien fait de tout de suite le placer. Ensuite, on peut appeler Persée maintenant. J'ai continué d'acheter des sculptures parce que à mon avis, je sens qu'on va en avoir bien besoin. Allez, c'est cool. Il coule tout, il s'en fout. Je suis Persée, yes. Et rien ne peut m'arrêter. On va voir. Tu vas t'intéresser à tenir ta réputation, mon grand. Les deux laiteries, je vais les replacer tout de suite là. Quoique je vais en placer 4 en tout. Ça devrait être suffisant pour aider à pallier la nourriture. Bon, là la population elle s'en va, mais c'est à cause du chômage. Hein. Et j'aurai besoin d'eux justement pour... avec les 4 trirèmes quoi. Oh non, il va détruire tous les docks. Oh, oh là là, ma cité. Je vous en prie, permettez-moi de satisfaire une autre requête. Bon, fallait s'y attendre en même temps que le chômage que j'avais réservé, c'était fait exprès. Mais vous barrez pas. Voyez où ce Kraken là. Ah, ils sont en train de se battre, percer contre le Kraken, mesdames et messieurs, faites vos jeux. C'est un petit remake de Persée Méduse. Hein. Excellent. Le Kraken vient de couler. Vous avez fait de moi votre ennemi. Et la mer le sera aussi. Bon. Par chance, on n'a plus de doc. Si on peut dire par chance. Voilà. Ok, donc là maintenant, on a une mauvaise cote de popularité, mais il fallait s'y attendre. Alors, on va réfléchir. Alors, Trinakia fait du marbre, Pylos fait du marbre. Il faut aussi Corsir et le doc vers Samos. Mais arrêtez de vous barrer, j'ai besoin de vous, moi.
Célébrez-moi, car... Les impôts sont trop élevés ici. Oh merde. Le prix de la citoyenneté n'en vaut pas la peine. Alors baissez les impôts, en normal. Pourtant j'ai mis ça à fond. Hein. Bon. On va refaire ça. Peut-être que le flux va s'inverser. On va faire 4 trirèmes maintenant, mais où est-ce qu'on va les placer? Ah, il a détruit le port de commune de Trinakia, ok. Bon, bon, on va le remettre là. Hein. Mais maintenant, il va nous falloir aussi des trirèmes. À savoir 4. La question de savoir où est-ce que je pourrais les installer sans qu'elles gênent. Que je peux faire un chemin. Ouais. Et ben, on va déjà faire des trirèmes. Et ben, on va improviser un chemin. Qu'est-ce que je te dis? Voilà. Parfait. Le sanctuaire d'Athéna est préparé. Là, il nous faudra juste les deux là. Et voilà, tout le monde sera content. Les trirèmes sont vont être prêts. Est-ce que les gens vont revenir, j'espère. Ça y est, les gens reviennent. Ça, c'est cool. Il nous faut combien de personnes? 360, tu m'étonnes. Voilà pourquoi j'ai réservé les slots, en fait. Par contre, je vais commencer à préparer l'achat de marbre. Ici, c'est pareil. Il faut commencer à réserver le plus de marbre possible pour la suite. Le bois avec. Je sais plus combien il faut de... Je pense qu'on va nous bâtir un sanctuaire, le match de Zeus. Ça, je le sens gros comme une maison. Hein. Les sculptures, on va en prendre 8. 24. On va racheter le poisson, on va en avoir besoin. Toujours plus de bouffe, ça fait ça, c'est toujours ça de prix. Il va encore me taper. Vous avez fait de moi votre ennemi. Mais non, et mais... la mer le sera aussi. Putain, il a attendu, quel sac. C'est bon, tu peux te barrer maintenant. Ah, c'est ça, casse-toi. On peut aussi faire le bastion de Zeus maintenant. J'ai déjà trouvé sa place. Combien de trirèmes vont être prêtes là? Allez, il faut encore 300 ouvriers. Combien de trirèmes sont prêtes? Une sur les 4. J'ai mis les salaires très élevés, mais bon. Donc, je vais savoir si cela suffira. Est-il ou non? Le commerce maritime a repris, j'ai déjà commencé à réserver. Bon, le scénario était là, il est plié. Hein. Il faut juste plus de bois, c'est gagnant. Bon, les sculptures, je vais arrêter d'en acheter. 12 et 8, 20. Je vais peut-être en acheter que 2 finalement. Voilà. Je vais rendre un petit peu d'huile d'olive vu qu'on a du surplus. Ça devrait être bon. Je vois toujours pas de bois, c'est ça qui est fou. Allez, va pour les 19. Ok. J'ai remis vitesse à fond ou pas? Ouais, la vitesse est à fond. Ok. Ça y est, la dernière trirème va être construite. Deux. Je surveille bien parce que je vais sauvegarder comme ça, le scénario sera bouclé en une session.
moi j'ai plus de place malheureusement. Hop, on enregistre Itaxis, c'est terminé. Voilà. On va rater la chaîne sculpture. Au moins on a toutes les sculptures de prêtes pour le sanctuaire de Zeus. Donc là on a du marbre. Je vais tout de suite en racheter là auprès de Pylos. Mon cher cousin, merci d'avoir demandé à l'héroïque Persée de débarrasser nos côtes de cet horrible kraken. Il est réconfortant de voir qu'il existe encore certains hommes de la trempe de mon époux en Grèce. Je commençais à en douter. Les opportunistes qui cherchent à prendre la place d'Ulysse sont de nouveau ingérables. Leurs chefs, Antinos de Samée et Eurymaque de Lène, ont demandé pourquoi je n'avais jamais besoin de nouveaux écheveaux pour mon linceul, mettant ainsi à jour mon stratagème. Mes prétendants me demandent de choisir sur le champ un époux ou de m'apprêter à en subir les conséquences. Je ne pourrai plus tenir très longtemps. Ulysse reviendra-t-il un jour? Bien amicalement, Pénélope. Donc voilà, c'était pas compliqué à faire, donc fallait vite bâtir le sanctuaire d'Athéna pour avoir l'huile d'olive en plus. Là, ça va nous être très utile. Et bon, là, les 4 trirèmes, ça va nous être utile, je pense, pour le plan militaire, vu qu'on a 2 chefs de Grèce qui vont nous être hostiles, j'ai l'impression. Donc c'était 2 anciens alliés. Mais bon, je pense que ça devrait aller. 4 trirèmes, les 4 compagnies, on devrait avoir la capacité de les détruire. Je pense que là on va se diriger vers le dernier scénario final. Donc ce sera le 7ème si j'ai bien compté. En tout cas, j'espère que cette aventure vous a plu. Enfin, cette aventure, ce scénario vous a plu. Ou cette mission, comme vous préférez. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si vous avez un commentaire ou autre à faire, n'hésitez pas. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, les amis, je vous encourage à le faire. Et si vous souhaitez soutenir la chaîne, n'oubliez pas la page Tipeee dans la description. Je vous dis à la prochaine, les amis, c'était Kaiser von Karstein. Merci d'avoir suivi et à bientôt.